sold at Studiens. La Chada decide the reduire de moitié son contingent diplôme dans le cadre de la lutte anti-touriste dans la zone dite des trois frontières. 600 soldats chidiens sur les 1200 diplôts aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour combattre les terroristes seront retirés de la force du G5 Sahel. La Chada divise par douces effectifs mobilises en février dans le cadre de la force anti-jihadiste du G5 Sahel dans la zone des trois frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, à annonce Abdraman Koulam la, porte-parole du gouvernement. Jamina explique qu'il s'agit d'un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes mais selon certains observateurs. Cette décision fait suite aux menaces des mouvements rebelles mais aussi aux récentes attaques terroristes dans le lac Tchad. Le porte-parole du gouvernement a aussi affirmé que cette décision est prise en commun accord avec le G5 Sahel. A titre de rappel, le Tchad a déployé 1200 soldats dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel dont fait partie le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les groupes terroristes. Cette zone dite des trois frontières estate, avec le centre du Mali, la plus touchée par les attaques jihadistes. La dernière attaque vendredi, contre un village de cette zone au Niger a fait au moins 19 morts parmi des civils.